Coucou tout le monde, c'est Flanou. Je suis partie à la découverte d'un serveur survie semi-RP en 1.16. Il s'agit d'Evolucraft. Vous aurez bien entendu en description toutes les informations, l'IP, etc. Il faut savoir que c'est accessible aux cracks. Donc avant toute chose, Evolucraft, c'est un serveur donc survie semi-RP avec donc des quêtes, des métiers, etc. Et c'est parti, on va tout de suite rejoindre le serveur Emeraude. Donc si vous voulez me croiser, eh bien n'hésitez pas à venir sur le serveur Emeraude. Vous avez toutes les infos en description. C'est parti, let's go. Alors du coup dans la boussole, donc soit on va dans la boussole, soit on parle au petit bonhomme qui est ici qui s'appelle Below, bonjour. Et du coup on va sur le serveur Emeraude. Bienvenue Flanou sur le serveur Evolucraft Emeraude. Les commandes utiles, alors slash help pour voir toutes les commandes utiles, slash rang pour voir les rangs, slash warp pour se déplacer, ah ça c'est bien pratique, slash monde pour choisir son monde et slash tuto pour comprendre le serveur. Déjà c'est trop sympa, les gens ils me disent bienvenue et tout, merci, coucou, voilà, je suis une vagabonde, let's go. Donc oui, il y a du coup des métiers, des quêtes, etc. Et du coup on peut évoluer au fil des grades, voilà. On va commencer par faire le tutoriel avec Jirio. C'est comme ça qu'il s'appelle. Bonjour Jirio. Il m'a pas l'air très sympathique, il me fait peur un peu, mais bonjour. Alors, ouah, c'est trop beau. C'est trop beau. Evolucraft, bienvenue sur Evolucraft, serveur semi-RP 1.16.4. Objectif, progresser dans un monde unique, créer votre ville avec vos amis et développer vos activités. Gravissez les 15 rangs Farm to Win sur le serveur pour entrer dans la légende d'Evolucraft. Ok. Bonjour. C'est stylé en vrai, hein. Donc l'IP, tout ça, vous l'aurez en description. Vous aurez aussi un petit code promotionnel sur la boutique. Vous allez visionner une série de tutoriels pour bien débuter. Ok, les villes. Donc on peut créer une ville. Ah, trop bien. Faut aller sur le monde continent. Donc il y a des commandes pour créer une ville. Ok. Les coffres de vente. Ah, on peut vendre des ressources sans avoir besoin d'être connecté. Ok. Le commerce, donc toutes les commandes qui permettent de gagner des sous, donc les jobs, le shop, les quêtes, ok, les votes. Donc ensuite, on obtient des récompenses lorsque l'on vote, ok. Les rangs, il y a 15 rangs disponibles. Oh, intéressant. Alors, vagabond, paysan. Alors, pour devenir paysan, il me faut 100$, 5 niveaux de métier, 10 niveaux de joueurs, 64 bûches de chêne, 64 charbon, 64 blé, des morues. Oh, pauvre morue. Et des chairs putréfiées. Ok. C'est le moment de commencer votre aventure. Explore les différents mondes d'Evolucraft. 3 mondes ressources pour récupérer les matières premières. Ok. Et un monde de construction pour établir notre ville et débuter notre empire. Oui. Donc ensuite, on a les métiers. Choisissez parmi 6 métiers. Proposé avec le slash job pour débuter notre aventure. Donc il y a fermier, pêcheur, mineur, forge mage, chasseur et bûcheron. Oh mais on voit le nombre de travailleurs, il y a énormément de mineurs en fait, c'est incroyable. Donc le bûcheron, le fermier, il faut s'occuper des champs, il y a 700 péons. Le chasseur, il faut chasser des mobs, il y a 600 tueurs de mobs. Ah, les pêcheurs, il n'y en a pas beaucoup, en plus c'est un petit magicarp, c'est trop mignon. Gagne ta vie en pêchant des poissons. Ok, et le forge mage en forgeant et en enchantant. Donc hissez-vous parmi les légendes pour devenir le roi. Vagabond niveau 1, roi niveau 14. Ok, nice. Moi je veux bien être reine, moi je veux bien, mais il va falloir farmer beaucoup. Je pense pas qu'on arrivera à devenir reine hein, sur le serveur, parce qu'il va falloir farmer beaucoup. Mais en tout cas, je suis déjà la reine des brocolis, donc ouais, c'est cool. Alors, le commerce, du coup. Donc on peut acheter et mettre en vente aux hôtels de vente, trop bien. Il y a un shop admin aussi, donc j'imagine que c'est un peu plus cher. Voilà, donc on peut acheter de la bouffe et tout, ok. Ok, donc ça, en fait, c'est des ressources qui sont vendues par les joueurs. Ok. Ensuite, donc nous avons les quêtes. Donc il y a un système de quêtes. Oh, il doit y en avoir beaucoup, hein. Nice. Énormément. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Et ensuite, les villes. Donc un système de villes. Il faut atteindre le rang aventurier pour créer notre ville. Ok, très bien. Donc c'est pas tout de suite, hein. Donc des events qui sont faits.
chaque jour, donc tomber des coffres, événements de ferme, événements de donjon, trop cool pour essayer de gagner des récompenses. Ça c'est le vote, du coup on peut récupérer des récompenses en votant, très bien. 20 succès à accomplir pour obtenir des cosmétiques uniques. Ah j'imagine que c'est des titres. Alors tuer 500 000 monstres et on a le titre exterminateur. Ah c'est cool ça. Donc maintenant que j'ai fini le tutoriel avec notre ami Jirio, je vais aller choisir un métier. Donc là il y a les events, les métiers, la boutique générale, vote et les rangs et le shop. Ok. Donc on va parler à et Maxime. On va à Maxime quoi, on va l'appeler. Alors Maxime. Bah moi je veux devenir mineur. Action rémunérée. Donc qu'est-ce qu'il y a? Ok, donc les minerais. Ok, la roche, le granit. Ah, même la roche, ça rapporte des sous, ça c'est cool. Donc c'est parti. Je suis actuellement mineur de niveau 0. Voilà, je suis mineur. Yay! Maintenant, je vais pouvoir me rendre sur la map ressource. On va peut-être prendre les quêtes journalières avant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, le postier. Obtenez une quête toutes les 24 heures. Il faut récolter 176 blés. Oh, dis donc. Tu me fais du boulot, toi, hein, dis donc. Et on va aller miner, du coup, pour commencer. Oh, je tombe dans un désert. Je vais prendre... Regardez mes premiers blocs. Waouh. Oh, il y a une épave. Vas-y, let's go. Oh, il y a une morue. Oh, il y a une morue. Attends. Ah, oh, je veux tuer la morue. Morue. Oh, pardon. En plus, il faut des morues pour XP mon rang. Oh, les pauvres. Et vous le direz pas, Miro. Aïe. Qui m'agresse? Ah non, c'est... ah non, c'est mes bulles. Je suis trop noob. J'espère qu'elle a pas été prise. Voyons voir. Oh, il y a un coffre. Oh, oui. Oui. Oui, je crois qu'elle a déjà été prise, mais oui, quand même. J'ai des sous, maintenant. Attendez, je vais remonter, parce que je vais mourir encore. Ah, des papiers. Ouais. Ouais, des papiers. Ok. Oh, oh oui, oui, oui. C'est la richesse, c'est bon. Je sais pas si elle a déjà été prise ou pas. En tout cas, j'ai mes premiers charbons et tout. Trop bien. Je récupère les trucs que les gens... Vanishing Curse, Binding Curse. Bon, c'est pas grave. Je pourrais pas l'enlever. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors là, ça me rapporte déjà de l'expérience et des sous, non? Non, ça me rapporte pas de sous pour le moment. Je vais me faire des torches, parce que comme ça, j'y verrai un peu mieux. Du coup, c'est parti. Objectif, essayer d'avoir du fer. Ce serait sympa. Et là, donc, c'est bien, parce que j'augmente mon métier de mineur. Voilà. Bon, bah, j'ai enfin trouvé du fer. Eh bien, dis donc. Donc là, je suis en couche 13, donc je commence à essayer... Oh! Ça y est, je suis mineur niveau 2. Oui, regardez, oui, mineur niveau 2. GG, trop bien. Donc dans slash menu, vous avez tout, vous avez vos infos, etc. Regardez, j'ai 3 dollars, je suis riche. Slash job, donc mineur. Du coup, je suis niveau 5, voilà. Trop cool. Ça rapporte des sous, ça, ou pas? Oh, j'entends un zombie. Non, je vais pas mourir, hein. Ouais, ouais, ça rapporte grave des sous, l'or. Oh, c'est trop bien, attends, j'en avais laissé... Oh bah, il est là, le zombie. Attends. Ça va me rapporter des sous, ça. Ah ouais! Ah ouais, stonks. Bon, du coup, j'ai pas mal miné, donc j'ai pas mal de fer. Je vais pouvoir me faire mon premier équipement. Bon, oui, j'ai fait un peu des bêtises. Si vous avez suivi jusque-là, en fait, j'ai... j'ai mis un pantalon, enfin, un stuff qui était Vanishing Curse et tout, mais c'est pas grave, ça nous fera, voilà. Des petites choses quand même. Je vais peut-être me faire une épée aussi en fer, parce que là j'entends des zombies et je suis en grotte. Pour le moment, j'ai toujours pas trouvé de diamants, donc j'espère qu'on va en trouver. En tout cas, mon métier avance bien, donc si on fait slash menu, je peux accéder du coup aux commandes, enfin au truc de mon métier quoi. Et là, donc mineur, je suis actuellement mineur de niveau 8, donc ça avance tranquillement, c'est cool. Donc après, les récompenses du métier. Donc niveau 20, je vais avoir un casque protection 5, ah, qui permet de voir dans le noir, ça c'est cool. Ensuite, je vais avoir une pioche, niveau 40, un marteau. Bah là, objectif du coup, déjà niveau 20. Later. Ok, du coup là je suis mineur des niveaux 11 et regardez mon argent, j'ai mes 100 premiers dollars, oui, GG. Bon, je retournerai miner plus tard, là j'ai pas mal avancé, en tout cas j'ai beaucoup de fer et un peu d'or. J'ai pas trouvé de diamants pour le moment, mais c'est pas grave, on y retournera plus tard. Ah, mais il y a des mines en fait, et moi je mine ici comme une débilos, d'accord, il y a des mines. Donc, les warp, warp PVP, warp farm. Ah! Une zone remplie de blé. Rappelez-vous, j'ai une quête journalière où je dois aller chercher du blé. Donc, on fera peut-être ça après. Warp hill, ok. Et warp box pour utiliser les clés de vote. Ok. J'ai pas encore.
encore voter aussi, slash vote. Clique pour obtenir le lien. Alors, j'obtiens le lien, je l'ouvre. Donc voilà, je vais entrer mon pseudo, je vais mettre Flanou, passer à l'étape suivante. Donc moi, je vote pour Émeraude. Voilà, donc le site numéro 1. Donc on se rend ici, on fait accepter. Je suis humain. Ah, faut trouver les motos. Ça c'est une moto. Ça c'est une moto, non? Je sais pas. Hop, vérifier. Et je vote. Voilà. Tadam, c'est bon. Ensuite, maintenant, on va récupérer dès maintenant. Ok. On fait voter. Je suis pas un robot. Confirmer le vote. Et voilà. Normalement, ça devrait être bon. Donc là, on attend. Récupérer dès maintenant. Et voilà. Normalement, j'ai récupéré les récompenses en jeu. Voyons voir ça. D'où slash VP claim quand ton inventaire n'est plus full. Attends. Ah, je peux pas me vider. Attends, il y a les underchests ici. Vas-y, on va mettre des trucs dedans. Désolé, underchest, je te mets des trucs dedans. Ensuite, si je connecte mon compte Discord, j'obtiens 2000. Alors attendez, faut que je sois présent sur le serveur Discord d'Evolucraft. Bah oui. Voilà, donc là, du coup, je suis allée sur leur serveur Discord. J'ai activé mes MP pour recevoir le message du bot. Puis, j'ai confirmé avec le bot en privé. Et donc, j'ai 2000 balles juste en reliant notre Discord. Voilà, super. Alors ça c'est achetable, cosmétique, ok. Clé de vote, alors c'est ici du coup. Oh, j'ai eu 4 diamants. Oh, je suis trop contente. Yes. Bon bah mes premiers diamants, super. Ensuite. Oh, j'ai 8 lingots. Bon, c'est pas grave, j'en ai déjà, mais... Un spawner à poulet. Oh, c'est trop bien, j'ai eu un spawner à poulet. Oh, c'est trop bien. Oh, j'ai eu un... Oh non, mais c'est trop bien le vote. Un bloc de claim. Je peux claimer un chunk. Oh, je suis trop contente. J'ai eu des tiges carmin, ok. Attends, il me reste... Ok, j'ai eu encore des lingots d'or. Ah, après, c'est bon, j'ai plus le droit, c'est bon. Oh, j'ai eu un spawner, un débris, un ancien débris, et j'ai eu... Franchement, j'ai eu tout ça. Je suis trop riche. Je suis trop contente. Et j'ai eu un claim chunk. Oh, ça, je suis trop contente. Donc, dans le monde de construction... Oh, il fait nuit. Oh, ça a l'air trop beau. Oh, c'est trop beau ici, je suis contente. Ah, c'est une ville. Bienvenue au palais des bonnes affaires. Résistance au feu, ok. Donc lui, il vend des trucs. À partir d'un certain rang, on peut créer une ville. On l'a vu ça au tutoriel. Regardez, c'est trop joli. En me promenant sur le serveur, donc dans le monde construction, je suis tombée dans des villes. Alors, je tombe dans plein de villes, en fait. Et celle-là, je la trouve vraiment trop mignonne. Regardez comme c'est cute. C'est ultra mimi, ils ont fait des petits shops et tout, des maisons un peu médiévales, avec le petit puits, tout ça, c'est vraiment trop trop mignon. Oh, bah le blé, en fait, du coup, j'ai eu ma réponse. Le blé de la ferme, là, il marche pas sur les quêtes journalières. Il faut que ce soit du blé qu'on ait en monde ressources. Donc du coup, en monde ressources, bah je pense qu'il faut focus les villages, et comme ça, bah on en a plein, quoi. Bon, je vais faire des ballots, parce que là, j'ai 35 000 blocs de paille, enfin, j'ai 35 000 blé, là. Qui servent à rien du coup. Zut! Maintenant, mon objectif, ça va être de passer paysan. Ouais, un vieux payon. Donc, il me faut 64 bûches de chêne, 64 charbon, 64 blé. Bah, du coup, le blé, je l'ai. Et il me faut des morues. Donc, bah, maintenant, on va bûcher. Hein. Let's go. C'est parti. Pour bûcher 64. Ça va vite. Du coup, là, j'ai tout sauf les 16 morues. Donc, on va essayer d'aller chasser de la morue. Désolé, Miro, hein. C'est pour la bonne cause. Voilà, moi je vais être un payon. Allez, c'est parti. En tout cas, merci à Evolucraft pour cette découverte, parce que franchement, le serveur est grave cool. La communauté a l'air hyper sympathique, et en plus, il y a des events tous les jours, donc ça, c'est vraiment sympa. Alors, on va essayer de trouver des morues. En tout cas, mon premier grade, j'ai l'impression de ne pas avoir trop peiné pour l'obtenir. Après, il y a quand même 15 rangs, donc il y a vraiment de quoi faire hein, pour vous amuser. Donc du coup, je vais me faire une canne à pêche et je vais pêcher des morues. Donc il m'en faut 16, il m'en manque 12. Parfait. Et ensuite, du coup, je deviendrai une paysanne. Yeah, flanou payon. Allez, c'est parti, la pêche. Allez, il me manque plus qu'une seule morue. Allez, on croise les doigts. Arrête de mourir, toi. Let's go, elle arrive, attention. Wouah, let's go! J'ai eu la dernière morue! Trop bien! Ah, je suis contente. Yes! Mon premier grade! Bon, ça va, j'ai pas trop peiné à l'obtenir. Du coup, slash rang. Et on va pouvoir passer
paysan. Tadam. Let's go. Alors, le prochain, c'est le rang aventurier. Et pour le passer, il faut 20 niveaux. Donc là, j'ai 10. 64 bûches de chêne, 64 bûches de bouleau, 16 blocs de charbon, lingots de fer, blocs de paille, morue crue, 16 saumons crus, 64 chairs putréfiées, 32 yeux d'araignée. Trop cool! Bon bah, je suis contente. J'ai passé mon premier rang à ma première journée sur le serveur. Je suis vraiment trop contente. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. Donc, il y aura 3 épisodes en tout sur cette mini-série Let's Play. Encore merci à Evolucraft de m'accueillir sur le serveur et de me permettre de découvrir leur magnifique serveur. N'hésitez pas à profiter du code promo qui est en description. Et bien sûr, vous avez l'IP, etc. Bonjour Antonin. Salut Antonin. T'as un petit mot à dire pour les brocolis ? Bon, il vous fait coucou, il est en azurite et voilà, moi je suis en pauvre plastron de cuir. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite sur la chaîne, en vidéo et en live. Rendez-vous vendredi prochain pour la suite d'Evolucraft. Bisous, bye bye. Bye. Au revoir tout le monde. Bisous.